Voilà, j'ai fait une petite sélection pour aller avec cette nouvelle collection mintée de chez qui s'appelle Right and Memories. Donc vous avez les die cuts qui sont assortis. Donc vous savez, c'est déjà prédécoupé. Vous pouvez les coller avec des mousses 3D pour faire de l'épaisseur, du relief et faire de superbes embellissements. Donc je vous ai sélectionné pour aller avec la petite colle pailletée Waterfall de chez Stickles et l'encre Ocean Delph. Ces petites dots de chez Prima, si vous les avez, vous pouvez très bien les assortir avec. Vous voyez, les roses, les turquoises, ça va vraiment avec. Donc c'est la référence 651-572. Évidemment, vous avez plein de fleurs dans la boutique que vous pouvez assortir avec, ainsi que des rubans. Mais nous, on va regarder les papiers parce que je ne les ai pas encore découverts. J'ai juste ouvert le plastique pour pas que ça fasse de bruit. Et avec aussi, je vous propose trois couvertures qui vont aller avec. Alors là, c'est dans les couvertures de chez Craft O'Clock. Vous avez plein de tutos que je vous ai fait des derniers albums, même ceux de chez Minté que vous pouvez utiliser avec ces couvertures. Ça fait des bases d'albums quand même en plus de 20 par 20. Donc ça fait vraiment de très jolis albums. Et ces trois motifs-là vont avec. Donc je vais découvrir ça avec vous. Donc première page, on a le bonus avec tous les embellissements à découper. Donc là, c'est sur la correspondance. C'est un peu comme la collection qui s'appelait Love... alors, je sais plus. Zut, je me rappelle plus. Mais pas du tout dans les mêmes tons, en fait. Et voilà, sur le thème de la correspondance, machine à écrire, cachet à la cire, plume. Voilà. Donc, tout ça à découper. Ensuite, ici, on a sur cette page-là un papier façon parchemin. Ici, des plumes, un encrier, des livres ou des cahiers. Surtout, de très jolies fleurs. Vous voyez, c'est vraiment au niveau des motifs de fleurs. Je trouve que c'est très, très joli. Ah, voici des écritures. Ben, ça tombe bien pour la rentrée des classes. Regardez ces impressions, le journal dessous. Les papiers dentelles que vous pouvez aussi utiliser avec pour embellir, la machine à écrire. Là, j'aime beaucoup ces collections. Donc là, j'en ai pris un petit stock en boutique parce que c'était un de mes favoris. Mais comme je vous le disais, quand il n'y en aura plus chez Minté, il n'y en aura plus. Voilà. Il n'y aura pas de réassort. Ici, on a le motif avec les roses. À l'arrière, regardez le détail, comme c'est fin, c'est vraiment très joli. Alors on est vraiment sur le fleuri, regardez si ça va bien avec. De quoi illuminer un petit peu même le cœur des fleurs. Je vais recevoir aussi de l'encre rose pêche de chez Versa Magique, c'est nouveau, ça va arriver d'ici la fin de semaine prochaine, Alors là, ce sont toutes les étiquettes qui vont avec, comme d'habitude. Allez, je vous en montre une en détail. Et à l'arrière, vous avez aussi des jolis cadres. Donc voilà pour ce papier. Vous avez deux fois exactement les mêmes feuilles. Il n'y a que le bonus qui est à l'arrière de la page de la couverture que vous avez qu'une fois. Voilà, donc c'est 12 pages plus une de bonus. Et quelquefois, j'utilise aussi ce qui est ici quand je n'utilise pas les bonus à l'arrière. Voilà, mais bon, ils sont tellement jolis que tout va aller avec. Alors regardez les couvertures. C'est une idée. Je trouve que comme c'est très fleuri, il y a toujours des roses. Eh bien, le Vintage Treasure, vous pouvez la sortir avec. Voilà pour ces petites collections. Évidemment, vous avez aussi de verre, du verre foré que vous pouvez mettre avec. Vous avez les fleurs de chez Florella dans les gris bleus. Exactement. Vous avez, bien, par exemple, les papillons de chez Prima. Je vois à l'instant là que ça va très bien avec. Alors, vous avez... Ceci, si vous les avez pris, par exemple, pour faire l'album qu'on fera prochainement sur l'Amazonie de chez Stamperia, regardez les verts et les bleus. Là, on est vraiment bien parfait pour ces papillons qui sont doubles au niveau des pétales. Et ces fleurs aussi,
ces branches que vous pouvez défaire pour utiliser plusieurs fleurs. Ça va vraiment très bien avec. Et bien voilà pour cette jolie collection. Il me reste une collection à vous présenter chez Minté dans les dernières nouveautés. Donc c'est la collection Apple Saison. Voilà, la saison des pommes. Écoutez, c'est pour l'automne. Je vous la montre tout de suite.